Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Dans ce vidéo, on va continuer les exercices qu'on a débutés la dernière fois sur les radicaux. Et on a fait des exercices sur les racines carrées et on a commencé les exercices sur les racines cubiques. On a fait 4 exercices. Maintenant, on va essayer de faire la suite. Alors, on s'est arrêté à l'exercice 11. On calcule les limites quand x3 va plus l'infini de la racine cubique de x3 plus 1 moins x. Alors on a dit la dernière fois que pour certaines limites on peut utiliser la factorisation, pour d'autres ça ne marche pas. Donc ici vous allez voir que si on néglige 1 devant x3, parce que quand x est là c'est grand 1, on peut le négliger, alors x3 plus 1 est équivalent à x3. Avec le radical, on peut dire que cette fonction est équivalente à racine cubique de x3, c'est-à-dire x parce que x est positif. Alors, ça veut dire que l'expression totale va être de la forme x moins x, ça veut dire 0 fois x. Donc, à la limite, quand x tend vers plus l'infini, on va avoir 0 fois l'infini, forme indéterminée. Ça veut dire la factorisation, ça ne marche pas. Alors, on a dit que pour les racines carrées, on utilise la partie conjuguée, mais pour les racines cubiques, à la place de la partie conjuguée, on utilise les identités remarquables. Les identités remarquables, ça veut dire que les différences, on peut les écrire comme étant la différence des cubes sur le carré du premier plus leur produit plus le carré du deuxième. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc on va dire que la méthode adéquate pour cet exercice, c'est l'utilisation des identités remarquable. Je vais l'écrire en abrégé comme ça parce que je n'ai pas de la place. Identité remarquable. Bon, l'identité remarquable consiste à écrire A moins B, parce que A pour nous ça va être ce radical et B c'est X, sous la forme de A au cube moins B au cube, c'est-à-dire la racine cubique de X3 plus 1 à la puissance 3 moins X au cube sur le carré du premier, c'est-à-dire racine cubique de x3 plus 1 au carré, plus leur produit, ça veut dire a fois b, c'est-à-dire x fois la racine de x au cube plus 1, et plus b au carré, ça veut dire x carré. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que le numérateur va se simplifier parce que la racine cubique à la puissance 3, ça reste x3 plus 1 et x3 si on va avec x3, alors on va trouver 1 sur la racine cubique de x3 plus 1 au carré plus x multiplié par la racine cubique de x3 plus 1 et plus x carré. Voilà. Alors si on calcule la limite du rapport, alors x3 plus 1 tend vers plus l'infini, la racine cubique de plus l'infini c'est plus l'infini, au carré c'est plus l'infini. Ce produit aussi, c'est plus l'infini fois plus l'infini, ce n'est plus l'infini. Donc on aura au dénominateur la somme de plus l'infini trois fois, donc ça donne plus l'infini, et 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Voilà. Exemple suivant, numéro 12. À peu près la même idée, mais maintenant pour moins l'infini, on va mettre ici un racine cubique de, par exemple, 2 moins x puissance 3, et on va mettre à l'extérieur, on va mettre x. Ici, de la même façon, vous voyez bien, si vous prenez 2, on va voir que la factorisation, ça ne marche pas aussi. Pourquoi? Parce que 2 moins x3, il est équivalent à moins x3, ça veut dire que je peux négliger 2 devant moins x3. La racine cubique de 2 moins x3, elle est équivalente à la racine cubique de moins x3, que je peux écrire comme étant racine cubique de moins x puissance 3, qui est égal à moins x, parce que x est négatif. Hein. On l'a déjà fait sur la belle là. Donc, si on ajoute la racine cubique, je lui ajoute x, alors il va être équivalent à x moins x, ça veut dire 0 fois x. Quand à la limite, quand x tend vers moins l'infini, on va trouver 0 moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait x en facteur de l'expression tout entière, ça ne marche pas, il nous donne une forme indéterminée. Donc l'idée, c'est d'utiliser
une autre fois, mais ce qu'on appelle Zedonté normal. Alors pour cette formule, du moment que c'est la somme, ça veut dire qu'on va utiliser l'expression de la somme. Alors A plus B est égal à A au cube plus B au cube sur A au carré moins AB plus B au carré. Donc pour nous, c'est A, c'est la racine cubique, et B, c'est X. Donc on va essayer d'utiliser cette formule. D'accord ? Donc on va trouver ici racine cubique de 2 moins X3, A puissance 3 plus X puissance 3 sur la racine cubique de 2 moins X3 au carré plus leur produit, c'est-à-dire moins l'autre produit, c'est-à-dire X fois la racine. Et plus x au carré. Alors le cube, il détruit la racine cubique, il va rester 2 moins x3, mais plus x3, il va rester 2 sur le dénominateur, racine cubique de 2 moins x3 au carré, moins x fois la racine cubique de 2 moins x au cube, plus x au carré. Et regardez bien, si on passe à la limite, on voit l'infini. On a moins x3 qui va tendre vers plus l'infini, plus 2 c'est plus l'infini. La racine cubique de plus l'infini au sens limite au carré, ça donne plus l'infini. Ici on aura moins x qui va tendre vers plus l'infini. La racine cubique elle aussi tend vers plus l'infini. Et x carré tend vers plus l'infini. Donc on aura au dénominateur la limite qui va être égale à plus l'infini. Donc la limite du rapport ça va être 0. Voilà, on va passer maintenant à l'exercice suivant, dans lequel on va essayer de choisir des exemples dans lesquels la factorisation ça marche pas toute seule, la méthode de l'identité remarquable ça marche pas toute seule, ça veut dire qu'il faut utiliser les deux méthodes à la fois. Alors pour choisir un exemple adéquat, bien sûr, on va choisir un radical de telle façon que la factorisation ça marche pas, donc ce qui fait on va mettre ici un moins x. Pourquoi? Parce qu'à l'équivalence on va avoir ici x moins x, ça donne 0 fois x, ça veut dire 0 fois x qui donne par passage de limite 0 fois l'infini, forme indéterminée. Mais pour que la factorisation toute seule ça marche pas, on va ajouter ici un terme en x ou bien un terme en x carré, comme on veut. Bon, je vais choisir par exemple 2x plus 1. Voici 2. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici sur l'idée de la méthode? Qu'on va utiliser en même temps l'identité remarquable et en même temps la factorisation. Voilà. Alors, tout d'abord, l'identité remarquable, comme ce qu'on a fait dans l'exercice précédent, ça veut dire que je vais considérer ça grand A. Et ça, grand B, je vais utiliser la formule de A moins B qui va se transformer A au cube moins B au cube sur A au carré plus AB plus B au carré. Considérons que ce radical c'est grand A et petit x c'est grand B. Donc on va avoir la racine cubique de x au cube plus 2x plus 1 au cube moins x au cube sur la racine cubique de x au cube plus 2x plus 1 au carré. Plus le produit de x avec le radical et plus x carré. Voilà. Alors pour le numérateur, le cube il va détruire le radical, il va rester x au cube plus 2x plus 1 et moins x au cube. Depuis x au cube va s'en aller, on va trouver 2x plus 1 sur la racine cubique de x au cube plus 2x plus 1 au carré plus x multiplié par la racine cubique de x carré plus 2x plus 1 plus x carré. Alors ici pour lever l'indétermination, on va essayer de mettre ici x en facteur. Ici de la même façon, on va mettre x en facteur. Ici on a déjà un x, ici on a déjà un x. Ici on va le sortir du radical. Alors pour le faire sortir, donc ce qui fait le numérateur va se factoriser à force par x multiplié par 2 plus dénominateur. On va essayer de mettre x3 en facteur et le radical on va le couper en 2 et puis on va trouver la racine cubique de x3 qui nous donne x parce que x est positif. Donc on va avoir x de 1 plus 2 sur x
au carré plus 1 sur x racine cubique de x en qui plus 2x plus 1 plus x carré. Alors je vais mettre au dénominateur x en facteur. Voilà. Alors ici on a bien sûr un produit au carré, donc on va avoir x carré, mais je vais mettre x en facteur, il va rester un autre x. Et puis la racine de 1 plus 2 plus x. Voilà. Alors maintenant je peux simplifier par le x. D'accord? Et à la limite, on va avoir un seul x qui va tendre vers 0. 0 plus 2, ça donne 2. La limite, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. Le radical va tendre vers 1. Au carré, c'est 1. 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici, de la même façon, on va avoir x3 plus 2x plus 1 tend vers plus l'infini. La racine cubique tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini. Donc, on va voir au dénominateur la somme. 2 plus infini, 3 fois. Donc ça donne 2 sur plus infini, et la limite, ça va être 0. Alors on va passer à l'exercice en moyenne infinie. Donc la limite, quand x tend vers moyenne infinie, de la racine cubique. Maintenant, on va mettre une fonction qui va tendre vers plus infini à l'intérieur du radical. Mais on va mettre un terme en x. On a le choix entre x carré et x. Maintenant, on va essayer de mettre x carré. Ici, on a mis x. Ici, on va mettre x carré. Voilà. Plus un certain 2, par exemple. Et à l'extérieur, on va mettre plus x. Alors ici, bien sûr, l'équivalence va nous donner ici moins x3. Avec la racine cubique, ça devient moins x plus x. Ça donne 0 fois x en forme. Si on a fait ajouter un terme en x à l'intérieur. Utiliser l'identité remarquable, donc on va utiliser l'identité remarquable de la somme qui va se transformer la somme des cubes sur le carré du premier moins le produit de A avec B plus P au carré. Donc ça veut dire A pour nous c'est ce radical, B c'est X. Donc on va écrire racine cubique de moins X3 plus 3X carré plus 2 à la puissance 3 plus X puissance 3 sur le carré du premier radical. Voilà, moins le produit de A avec B, donc c'est moins x fois la racine cubique de x3 plus 3x carré plus 2 et plus x carré. Donc ça va être la limite quand x tend vers moins l'infini, ou bien le cube, il détruit le radical, va rester moins x3 plus 3x carré plus 2, moins x3 avec x3 s'en vont, il va rester au numérateur 3x carré plus 2 sur ce radical. Mais au début, on va faire comme les précédents. On va essayer de mettre un terme en facteur. Pourquoi? Parce que au numérateur, on a 3x carré plus 2 qui va tendre vers plus l'infini. Et au dénominateur aussi, il va tendre vers plus l'infini. Donc, ce qui fait, il faut lever l'indétermination du rapport. Alors, ici, de la même façon, on va mettre ici x carré en facteur. Donc, ici, on va essayer de mettre x carré en facteur. Ici, on a déjà x carré. Ici, on a x, il faut sortir un x du radical. Ici, on n'a pas l'x, il faut sortir x carré. Donc, on va sortir du radical x, mais avec le carré, on va trouver x carré. Alors, quand la limite tend vers moins l'infini, ça veut dire que x est négatif. Donc, à l'intérieur du radical, on va mettre moins x3 en facteur. Donc, 1 moins 3 sur x et moins 2 sur x3. Voilà, le tout au carré. Ici, de la même façon, on va sortir un x. Donc, on va faire la même factorisation. Voilà, que le premier terme. Voilà. Et plus x carré. Bon, est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré qu'on va mettre en facteur. 3 plus 2. Sur x carré. Alors ici, on va couper le radical en deux, on va trouver la racine cubique de moins x3, quand x est négatif, on a dit que c'est moins x, donc ça va être moins x multiplié par la racine cubique de 1 moins 3 sur x, moins 2 sur plus, ou bien moins 2 sur x3 au carré.
D'accord. Ici, de la même façon, on va avoir moins x fois la racine cubique de 1 moins 3 sur x, moins 2 sur x3, plus x carré. D'accord. Donc, on va essayer de couper ce terme en deux. Alors, on va avoir moins x carré fois le radical au carré. Ici, de la même façon, moins x, ça va devenir x carré. Donc, ici, on a déjà un x carré. Donc, on peut mettre x carré en facteur au dénominateur tout d'abord. Et on va le simplifier pour passer à l'élite. Alors, on va mettre x carré en facteur de quoi? Ici, il va rester un radical au carré. Ici, il va rester moins avec moins, ça donne plus. Donc, racine cubique de 1 moins 3 sur x moins 2 sur x au cube. Et plus le nombre 1. Voilà. Alors, le terme est assez grand. Je vais le simplifier par x carré. Et je vais passer les limites. Alors, regardez bien. La limite de moins 2x carré, c'est 0. De 3 sur x, c'est 0. Donc, on va avoir 0 plus 0 plus 1, c'est 1. Racine cubique de 1, c'est 1. Au carré, c'est 1. Celui de la même façon, on va trouver vers 1. 0, 0, 1. Racine cubique de 1, c'est 1. Donc, on va trouver 1 plus 1 plus 1. Dénominateur, ça veut dire 3. Et au numérateur, on va avoir ici, bien sûr, 0 plus 3, c'est 3. Donc, la limite, ça veut dire 1. Un autre exercice, numéro 15, ça va être la limite, quand x tend vers plus infini, de 2x plus la racine de x carré plus x sur 3x plus la racine cubique de x3 plus 3x. Voilà. Alors, pour calculer cette limite, tout d'abord, on va vérifier qu'on a vraiment une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que le numérateur va tendre vers plus l'infini, le dénominateur aussi plus l'infini, celui-là plus l'infini, et celui-là plus 1, plus l'infini, en forme indéterminée. Alors, quand on a des rapports ainsi, on essaie de mettre les termes de plus haut degré en facteur, au numérateur et au dénominateur. Ici, regardez bien, on va sortir un x. D'ici, pour mettre x en facteur, on va sortir un x ici, et pour mettre au dénominateur x en facteur, pour lever l'indétermination. Alors, pourquoi? Parce que quand on factorise, on écrit les termes en fonction des quotients dont les limites tendent vers 0. Donc ici, la méthode, ça va être bien sûr la factorisation. Voilà. Donc, je vais mettre... ici, à l'intérieur du radical, je vais mettre x carré en facteur. Voilà, juste x. Et pour l'autre, on va mettre x3 en facteur de 1 plus 3 sur x carré. Alors, bien sûr, ce radical, je vais le couper en deux. Je vais avoir la racine de x carré qui est égale à la valeur absolue de x est égale à x parce que x est positif. Donc, je vais avoir 2x plus x fois la racine de 1 plus 1 sur x. Ici, de la même façon, je vais couper ce radical en deux. Racine cubique de x3 fois la racine cubique de 1 plus 3 sur x carré. Mais racine cubique de x3 du moment que x est positif est égale à x. Donc, je vais avoir 3x plus x multiplié par la racine cubique de 1 plus 3 sur x carré. Alors maintenant, je peux mettre x en facteur de 2 plus la racine de 1 plus 1 sur x. Et le dénominateur, je vais avoir x multiplié par 3 plus la racine cubique de 1 plus 3 sur x carré. Alors maintenant, je peux simplifier par x pour lever l'indétermination. Et par passage à la limite, je vais trouver au numérateur 1 sur x tend vers 0 plus 1 c'est 1, racine carrée de 1 c'est 1 plus 2 c'est 3. Ici, de la même façon, 0 plus 1, racine cubique de 1, c'est 1, plus 3, ça fait. Alors, on va passer maintenant à l'exercice suivant. Ça va être l'exercice 16. Alors, la coefficient quand x tend vers plus l'infini, de la racine cubique d'x plus 1 moins 1 sur racine quatrième d'x plus 1 moins 1.
Alors, on teste toujours, est-ce qu'on a la forme déterminée par passage de la limite directe? Oui, la limite du numérateur, c'est plus l'infini, celui du dénominateur, c'est plus l'infini. Alors, pour lever l'indétermination, on va essayer de voir est-ce que la factorisation peut donner le résultat. On peut penser à mettre la racine cubique de x plus 1 en facteur au numérateur. Donc on va voir 1 moins 1 sur la racine cubique de x plus 1. Et au dénominateur, on va mettre la racine de 4 de x plus 1 en facteur. Donc on va voir 1 moins 1 sur la racine quatrième de x plus 1. Voilà. Alors les limites du terme entre parenthèses au numérateur, ça va être 1 moins 1 sur l'infini, c'est-à-dire 1 moins 0, c'est 1. Celui de l'envers. On va essayer de regrouper les deux radicaux en un seul radical. Donc on va revenir à la ligne. On va essayer de regrouper les deux radicaux en un seul radical. Alors on va écrire la racine cubique comme étant la puissance 1 tiers et la racine quatrième comme étant la puissance 1 quart. Alors en utilisant les propriétés de puissance, on va faire la différence de 1 tiers moins 1 quart. Alors on va trouver 1 tiers moins 1 quart, ça fait 4 moins 3 sur 12, c'est 1 sur 12. Ça veut dire la racine deuxième de x plus 1. Alors, à ce moment-là, on va essayer de remplacer ce rapport par la racine deuxième de x plus 1. Alors, notre limite, elle va être égale à la limite de racine deuxième de x plus 1 quand x tend à plus l'infini, multiplié par 1 moins 1 sur la racine cubique de x plus 1 sur 1 moins la racine quatrième de x plus 1. Alors, d'après cette écriture-là, on peut calculer la limite et on va obtenir au numérateur ici 1 moins 0 c'est 1, ici 1 moins 0 c'est 1, donc 1 sur 1 c'est 1. Et la limite de x plus 1 c'est plus infini, celui du radical c'est plus infini. Donc on voit plus infini multiplié 1 c'est plus l'infini. Alors, l'exemple suivant, ça va être la limite quand x tend à plus l'infini de x moins la racine de x carré plus 2 sur x carré moins la racine cubique de x plus 2. Alors, comme dans l'exemple 16, quand on a des fractions irrationnelles, là où on a des radicaux, alors on essaie toujours de voir est-ce que la factorisation peut donner le résultat, parce que la racine elle-même, c'est une puissance 1/2, la racine cubique, c'est une puissance 1 tiers, on essaie toujours de mettre en facteur le terme de plus haut degré, parfois pas forcément de plus haut degré, ça veut dire on peut mettre un facteur de commun pour le simplifier, pour lever l'indétermination. Alors, pour cet exemple-là, on a dit qu'on a fait la méthode de factorisation. Et ici, vous allez voir, de la même façon, on va mettre, on va utiliser la factorisation. Alors, pourquoi on peut, par exemple, mettre en facteur le... Alors ici, de la même façon, on va essayer de voir quel est le terme à mettre en facteur au numérateur dénominateur. Alors la racine de x carré plus 2, elle est équivalente à la racine de x carré, donc c'est-à-dire x, ça veut dire que le plus petit degré qu'on a en numérateur c'est x, donc on peut mettre x en facteur. Ici, x plus 2 est équivalent à x, donc comme si on a la racine cubique de x, c'est-à-dire x puissance 1 tiers, ici x carré, donc ça veut dire le plus haut degré, c'est x carré. Donc on peut mettre x carré en facteur, mais on peut se restreindre tout simplement à mettre x en facteur au dénominateur pour le simplifier avec celui du numérateur. Donc, on va essayer de d'abord de faire sortir le x du radical du numérateur. On va mettre x carré en facteur. Voilà. Et le dénominateur, de la même façon, pour mettre ici x en facteur, pour avoir ici x en facteur, on va essayer de mettre x3 en facteur à l'intérieur du radical,
du dénominateur, donc on va voir que c'est 1 sur x carré plus 2 sur. Donc, la limite va être égale à la limite de x moins. Ici, on va couper le radical en 2, on va avoir la racine de x carré qui est égale à valeur absolue de x. Du moment que x est positif, il est égal à x. Alors, il va rester à l'intérieur du radical 1 plus 2 sur x carré. Et pour le dénominateur, on va avoir x carré moins. Ici, de la même façon, on va couper le radical en 2, la racine cubique de x3. Et x positif nous donne x fois la racine cubique de 1 sur x carré plus 2 sur x3. Alors, on peut penser à mettre x en facteur numérateur. Alors, on va avoir x multiplié par 1 moins la racine de 1 plus 2 sur x carré. Et au dénominateur, on va avoir x multiplié par x moins la racine cubique de 1 sur x carré plus 2 sur x carré. Alors, si on simplifie par x, alors il va rester à ce moment-là la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins la racine de 1 plus 2 sur x carré sur x moins la racine cubique de 1 sur x carré plus 2 sur x3. Et à la limite, on va avoir le résultat suivant. 2 sur x carré tend vers 0, 0 plus 1 c'est 1, racine de 1 c'est 1, on va avoir le numérateur 1 moins 1 c'est 0. Au dénominateur ici, on va voir 0, 0, racine cubique de 0, on va voir plus l'infini. 0 sur plus l'infini, ce n'est pas une forme indéterminée, c'est une forme indéterminée est égale à 0. Parce que 0 sur plus l'infini, c'est 0 fois 1 sur plus l'infini, ça veut dire 0 fois 0, c'est 0. Voilà, alors maintenant on va proposer un exemple. Là, on va discuter le cas suivant un paramètre. Peut-être on va faire deux exercices. Le premier, ça va être la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine de 4x carré plus x plus 1 plus mx à l'extérieur, avec bien sûr m appartenant à R. Voilà. Alors, quand on a une fonction paramétrique, ça veut dire comme si on a plusieurs limites à calculer, mais on va voir comment mener la discussion. Alors, on va laisser la discussion venir toute seule. Mais le premier cas qu'on pensait à distinguer, c'est est-ce que M il va être présent ou non. Ça veut dire, dès le début, on peut distinguer le cas où M est égal à 0 ou différent de 0. Le premier cas, si M est égal à 0. Alors, la limite de notre fonction, ça va être celle du radical qui est égale à plus infini, car la limite de la fonction 4x plus 6 plus 1, c'est la limite du terme du premier degré qui nous donne plus infini. Alors, le deuxième cas qui va se présenter, voilà, c'est-à-dire que si M est différent de 0, alors à ce moment-là, on va essayer de voir, la première méthode, c'est la méthode de la factorisation, ça veut dire on va voir quelles sont les valeurs d'M pour lesquelles la factorisation peut être utilisé. Alors, on va essayer de mettre à l'intérieur du radical x carré en facteur, donc 4 plus 1 sur x, plus 1 sur x carré, plus mx. Voilà. Elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini. Ici, bien sûr, on va couper le radical en 2, on va avoir la racine du x carré qui est égale à la valeur absolue, qui est égale à x parce que x est positif. Donc on va voir x fois la racine de 4 plus 1 sur x carré, 1 sur x plus 1 sur x carré, voilà, plus n. Et bien sûr ici, quand on calcule les limites à l'infini, on va trouver ici 0, ici 0, ici 4, racine de 4 c'est 2. Et ici on va avoir plus l'infini, ça va être plus l'infini multiplié par 2 plus.
Alors, ce résultat de limite directe va me donner une idée sur les divers cas qui peuvent se présenter pour la discussion de cette limite. On a obtenu pour la limite directe plus infini fois 2 plus m. Alors, quand elle se produit, elle est bien définie si 2 plus m est différent de 0. Alors, pour ce cas-là, 2 plus m différent de 0, alors il y a deux cas. Ou bien 2 plus m est positif, à ce moment-là, la limite, ça va être plus infini fois non positif, c'est plus infini. Ou bien il est négatif, à ce moment-là, la limite, ça va être plus infini multiplié par non négatif, c'est moins l'infini. Et puis, on va distinguer le cas particulier quand 2 plus m est égal à 0, ça veut dire m est égal à moins 2. Donc, ce cas-là va se partager en trois cas. Si m est plus grand que moins 2, c'est-à-dire 1 plus 2 est supérieur à 0, à ce moment-là, alors, les limites, notre limite, voilà, elle va être égale à plus l'infini, multiplié par 2 plus 1, qui est un nombre positif, ça va donner plus l'infini. L'autre cas, ça va être si m est inférieur à 2, c'est-à-dire 1 plus 2 est négatif, alors notre limite, elle est égale à plus l'infini multiplié par 2 plus m qui va nous donner moins l'infini. Et le dernier cas qui va se présenter, si m est égal à moins 2, alors à ce moment-là, cette méthode de factorisation, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il nous donne une forme indéterminée. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir en arrière, on va remplacer m par sa valeur avant de faire la factorisation. Ça veut dire on va garder, on va remplacer m par sa valeur, on va remplacer m par sa valeur dans l'expression du début, comme ça. Et pourquoi? Parce que la méthode de factorisation, ça ne marche pas. Alors si ça ne marche pas, ça veut dire on va essayer. Alors égal à la limite quand x plus l'infini de la racine de 4x plus x plus 1 moins 2x multiplié par la racine de 4x carré plus x plus 1 plus 2x. Sur quoi? Sur la racine de 4x carré plus x plus 1 plus 2x. Alors, au numérateur, on a l'identité remarquable, a moins b multiplié par a plus b, ça donne a au carré, ça veut dire le radical au carré, moins 2x au carré sur la racine de 4x carré plus x plus 1 plus 2x. Alors ici, on va avoir au numérateur 4x carré plus x plus 1 moins 2x moins 4x carré, donc 4x carré va se simplifier, il va rester x plus 1. X plus 1. Donc on va avoir x plus 1 qui va contre 20 plus l'infini sur le dénominateur qui va contre aussi 20 plus l'infini parce que 2x sur 20 plus l'infini, 4x plus 6 plus 7 sur 20 plus l'infini, le radical aussi, la somme aussi. Donc on va essayer de mettre x en facteur au numérateur et au dénominateur. Donc au dénominateur, pour le mettre, il faut mettre x carré tout d'abord à l'intérieur du radical en facteur de quoi? De 4 plus 1 sur x plus 1 sur x carré, voilà, plus 2x. Alors on va mettre aussi x en facteur au numérateur, x multiplié par 1 plus 1 sur x sur, on dit bien ce radical, je vais le couper en 2, il va me donner la racine de x carré valeur absolue x, c'est x parce que x est positif, je vais le mettre en facteur. Donc x multiplié par la racine de 4 plus 1 sur x plus 1 sur x carré et plus 2. Voilà. Alors je simplifie par x, je vais obtenir au numérateur 1 plus 1 sur x et le dénominateur, la racine de 4 plus 1 sur x carré plus 2. À la limite, bien sûr, 1 sur x tend vers 0, donc le numérateur tend vers 1, et ici 0, 0, 4, racine de 4 c'est 2, 2 plus 2, ça donne 4. Il nous reste deux exercices, l'exercice 19, un autre exercice de limite. Avec un paramètre, limite quand x tend vers moins l'infini, de la racine cubique de moins x tend à, plus x carré, plus 1, et plus x. Voilà.
Et si de la même façon, comme ce qu'on a fait pour l'exercice 18, on va le faire pour l'exercice 19, c'est-à-dire on va essayer de voir comment on va mener la discussion du calcul de cette limite en fonction de M. Donc la première des choses à faire, c'est traiter le cas de M est égal à 0, d'accord, et différent de 0. Alors dans le cas où M est égal à 0, ça veut dire qu'il n'est pas présent dans la fonction, ça veut dire que la limite, ça va être celle de la racine cubique de moins x3 plus x carré plus 1, bien sûr, elle est égale à plus l'infini k, la limite du terme à l'intérieur du radical est celui, bien sûr, de la limite du terme du premier degré, c'est-à-dire de moins x3, est égal à moins x3, moins l'infini à la puissance 3, qui est égal à moins l'infini avec le moins, ça va plus l'infini. Donc, la limite de la racine de moins x3 plus x plus 7 égale à plus l'infini. Alors, le deuxième cas, maintenant, si m, il est présent dans notre fonction. Bon, à ce moment-là, alors, on va essayer de voir quand est-ce qu'on peut utiliser la factorisation. Donc, on va essayer de mettre ici moins x3 en facteur de 1 moins 1 sur x moins 1 sur x3 plus mx, alors qui est égal à la racine cubique de moins x sur 2 à la puissance 3 multiplié par la racine cubique de 1 moins 1 sur x moins 1 sur x carré. Ça veut dire qu'on a coupé le radical en deux de mx. Alors puisque m puisque x est négatif, alors la racine cubique de moins x puissance 3 est égale à moins x fois la racine cubique de 1 moins 1 sur x moins 1 sur x 3 et plus x. Donc on va mettre moins x en facteur de quoi? De la racine de 1 moins 1 sur x moins 1 sur x 3, voilà, et moins 1. Alors bien sûr, par passage à la limite, quand x tend vers moins l'infini, alors on va obtenir ici plus l'infini, voilà, multiplié par quoi? La limite de 1 sur x, 3 c'est 0, 1 sur x c'est 0, donc on va obtenir une limite est égale à 1 à l'intérieur du radical, racine cubique de 1 c'est 1, donc on va trouver 1 moins 1. Voilà, c'est ce résultat qui va me donner les cas distingués. Suivant la nullité de 1 moins 1, parce que si 1 moins 1 est nul, on va obtenir une forme indéterminée, mais s'il n'est pas nul, on va essayer de distinguer le cas où il est positif et le cas où il est négatif. Donc le cas qui va se présenter maintenant, si 1 moins m est positif, c'est-à-dire que m est plus petit que 1, alors on va dire que alors, 1 moins m est supérieur à 0, c'est-à-dire que m est plus petit que 1. Donc, si m est plus petit que 1, alors on va dire à ce moment-là que 1 moins m elle est positif. Donc, la limite elle va être égale à plus l'infini fois 1 moins m qui est positif, donc ça donne plus l'infini. Et le deuxième cas, si m maintenant est plus grand que 1, alors 1 moins m est négatif, donc la limite elle est égale à plus l'infini multiplié par 1 moins m qui est négatif, ça donne moins l'infini. Bon, le dernier cas, si m maintenant est égal à 1, alors on va trouver une forme indéterminée si on fait la méthode de la factorisation. Donc maintenant la factorisation pour m égale à 1, ça ne marche pas. Alors on va revenir à notre fonction et remplacer m par 1 et chercher une autre méthode. Alors quand la factorisation ça ne marche pas, on utilise
Alors quand la méthode de la factorisation ça marche pas, alors pour les racines cubiques on utilise les identités remarquables. Donc ici on va utiliser la formule de A plus B que je transforme en A au cube plus B au cube sur quoi? Sur A carré moins AB plus B au carré. Alors pour nous, le radical c'est A et le x c'est B. Donc on va obtenir la limite quand x tend vers moins l'infini de la racine cubique de moins x3 plus x carré plus 1, j'ai oublié le 1, donc plus 1 au cube et plus x au cube. Alors sur quoi? Sur son carré. Voilà, sur le carré, moins le produit de x avec la racine cubique de moins x3 plus x carré plus 1, et plus le carré de x. Voilà. Alors le cube va détruire le radical, il va rester moins x3 plus x carré plus 1, moins x3 va s'en aller x3, il va rester x carré plus 1 sur le dénominateur. Ici, de la même façon, on va se trouver dans le cas où la limite du rapport sera dans la forme indéterminée, parce que x carré plus 1 va tendre vers plus l'infini, et le dénominateur va tendre vers plus l'infini, donc on va essayer de mettre x carré en facteur. Du moment qu'au numérateur, on a x carré, donc au dénominateur, on va mettre aussi x carré en facteur. Ici, on a déjà x carré, ici, on a déjà un x, donc il faut sortir un x du radical, et si on n'a pas x, on va sortir un x du radical, mais en passant au carré, alors, on va obtenir le x carré. Donc ici, on va mettre à l'intérieur du radical moins x3 en facteur de 1 moins 1 sur x, moins 1 sur x3, le tout au carré. D'accord? Moins x, ici de la même façon, on va mettre moins x3 en facteur de quoi? De 1 plus moins 1 sur x, moins 1 sur x3, d'accord? Plus x carré. Voilà. Alors, on va mettre x carré en facteur au numérateur de 1 plus 1 sur x carré. Et de numérateur, vous direz qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va couper le radical en deux. On va obtenir la racine cubique de moins x3. On a trouvé précédemment que c'est moins x parce que x est négatif. Alors, moins x, il va sortir du carré, il va devenir x carré. On va le mettre en facteur de la racine cubique du reste. Donc, il va rester 1 moins 1 sur x moins 1 sur x au cube, mais élevé au carré. Et ici, de la même façon, on va couper le radical en deux, on va trouver racine cubique de moins x3 qui va nous donner moins x avec moins x, ça donne x carré. Déjà, il est en facteur. 1 moins 1 sur x moins 1 sur x3, plus 1. Voilà, plus 1 parce qu'ici on a x carré. Alors on va simplifier par x carré, voilà, pour lever l'indétermination. On va passer les limites directes. Les limites de 1 sur x carré, c'est 0, 0 plus 1, c'est 1. Ici, de la même façon, on va obtenir 0, 0, 1, 1, 0, 1. Donc, la limite de ça, c'est 1. 0, 0, 1, c'est 1. Donc, 1 plus 1 plus 1, ça donne 3. Il nous reste un dernier exemple. Voilà. C'est l'exemple numéro 20. La limite, quand x tend vers plus l'infini, de la racine quatrième d'x plus 1, moins la racine quatrième de x sur la racine troisième de x plus 1 moins la racine troisième de x multipliée par la racine douzième de x. Voilà. Voilà un exercice intéressant. Alors, comment calculer cette limite? On peut remarquer qu'on a un numérateur, la différence de deux radicaux, dénominateur de la même façon. On peut utiliser les identités remarquables, ça peut donner un résultat. On peut utiliser autre chose, c'est-à-dire on peut mettre ici x en facteur et puis on va couper le radical en deux pour avoir racine quatrième de x en facteur, on peut le mettre en facteur. Ici de la même façon on peut mettre x en facteur pour couper le radical en deux et puis on va mettre racine
qui est le dx en facteur, puis le racine quatrième de x avec le racine troisième de x avec le racine deuxième, on va les couper pour un seul terme, ça c'est une idée. Mais je préfère de vous faire une autre méthode, tout à fait différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va faire un changement de variable, peut-être elle est préférable. On va essayer de poser grand x égale 1 sur x pour transformer les limites en plus infini en 0. Alors, à ce moment-là, on va dire si petit x tend vers plus infini, c'est équivalent à dire que grand x tend vers 0. Donc, à ce moment-là, notre expression, c'est-à-dire les limites quand x tend vers plus infini de notre expression, alors, on va essayer de changer tout en grand X. Ça va être la limite quand grand X tend vers 0. Alors, ici, on va avoir la racine quatrième de 1 sur X plus 1 sur grand X plus 1, moins la racine quatrième de 1 sur grand X sur quoi ? Sur la racine troisième de 1 sur grand X plus 1, moins la racine quatrième de 1 sur grand X multiplié par la racine deuxième de 1 sur grand X. Alors on va essayer de mettre ici, de rendre au même dénominateur, puis on va couper le radical en deux. Ça veut dire on va avoir la racine quatrième de 1 plus x sur x. Et puis après, on va essayer de mettre 1 sur la racine quatrième de 1 sur x en facteur. De quoi ? Ici, on va voir, quand on va mettre au même dénominateur, on va avoir ici 1 plus x, donc la racine quatrième de 1 plus x. Voilà, celui-là on l'a mis en facteur, donc on l'a déjà ici, on va mettre moins 1. Et au dénominateur, de la même façon, on va mettre la racine troisième de 1 sur x en facteur, mais tout d'abord, on va rendre au même dénominateur, comme ce qu'on a fait ici. Donc on va avoir la racine cubique de 1 plus x sur x. Donc je le coupe en deux, la racine cubique de 1 plus x sur la racine cubique de x, c'est-à-dire la racine cubique de 1 sur x. Donc ici, on va voir la racine cubique de 1 plus x moins 1. Voilà, multiplié par la racine deuxième de 1 sur x. Alors, on va essayer de regrouper les trois radicaux entre eux. Voilà. Alors, un radical, c'est une puissance. Donc pour nous, ça c'est 1 sur x à la puissance 1 quart. Et ici, c'est un douzième, donc on va les ajouter. Mais celui-là, les deux mètres, on va le retrancher, ça veut dire moins un tiers. D'accord ? Et on va obtenir la racine quatrième de 1 plus x moins 1 sur la racine troisième de 1 plus x. Donc, en tant que Q, cet exposant-là, on va rendre au même dénominateur qui est 12. Je multiplie ça par 3 et ça par 4. Donc, je vais avoir 3 plus 1, c'est 4. 4 moins 4, c'est 0. Ça veut dire que cet exposant il s'annule, donc 1 sur x puissance 0, c'est 1, il va s'en aller. Il va rester tout simplement la limite quand x tend vers 0 de la racine quatrième de 1 plus x moins 1 sur la racine troisième de 1 plus x moins 1. Alors pour calculer cette limite qui nous donne bien sûr format déterminé 0 sur 0, je vais utiliser les identités non marquables. Vous savez, je vais écrire la racine quatrième de 1 plus x moins 1 sous la forme de la racine quatrième à la puissance 4 moins 1 à la puissance 4 sur leur somme plus la somme de leur carré. Ici je vais utiliser le quantité remarquable qui permet d'exprimer les différences en fonction des différences des cubes. Donc je vais mettre racine cubique de 1 plus 6 à la puissance 3 moins 1 à la puissance 3 sur quoi ? Sur le carré de radical plus leur produit plus 1 au quart. Alors ce numérateur il va être égal à 1 plus x moins 1, ça veut dire x. Ça veut dire x. Alors sur quoi ? Sur le dénominateur, c'est-à-dire la racine quatrième de 1 plus x plus 1 multiplié par la racine quatrième de x plus 1 au carré. Plus 1 au carré qui est égal à 1. Alors, bien sûr, multiplié par l'inverse de celui-là. Ici, on va remonter le dénominateur au numérateur ici. Donc, on va avoir
ratio cubique au carré plus le ratio cubique de 1 plus x plus 1. Alors sur quoi? Sur, bien sûr, ici de la même façon, on va trouver x. 1 plus x moins 1, ça donne x. Alors on va simplifier les x pour lever l'indétermination. Et à ce moment-là, on va trouver la limite du résultat final qui va être, bien sûr, ici. Et on va trouver par passage à la limite. Ici 1 plus 0 c'est 1, ici 1 plus 0 c'est 1, ici 1, donc au numérateur la limite ça va être 3. Et si dès maintenant on va voir 1 plus 1 c'est 2, 1 plus 1 c'est 2, 2 fois 2, donc la limite c'est 3 sur 4.